Bonjour et bienvenue dans le 55e épisode de ma série sur la map Simulation Protocol Animosity de TKRoHD. Alors j'ai tourné en rond la dernière fois pour trouver le chemin vers la nouvelle intersection et je l'ai retrouvé dans la vidéo. Je pense que je vais pouvoir le retrouver, j'espère. Et je comprends pas pourquoi je l'ai pas retrouvé. On va voir. Allez hop. Il faut que je fasse le tour là, j'aurais dû passer de l'autre côté. De l'autre côté, hop. Normalement, ça doit être plutôt dans la direction là. Faut que je trouve un truc. Non. Pas par là. Bon, je ne trouve pas le point de repère que j'avais trouvé. C'est pas évident parce qu'il y a entre les coulées d'eau, les trucs comme ça, le décor change quand même. Ah, c'est par là. Oui, c'est ça. C'est ça. Pourquoi je l'ai pas trouvé dans le précédent épisode? Brico. Waouh. Voilà. Donc là, on va pas s'attarder. On va juste aller à la nouvelle intersection en espérant qu'il y ait un téléport parce que j'ai pas envie de me trimballer, faire tout le trajet là à chaque fois. Wop. En plus, il y a un squelette qui veut montrer son affection. Voilà. Oh putain, l'enfoiré. Voilà, ok. Bon, alors on va avoir l'occasion de perdre notre bel équipement. Et viens des par ici. Voilà. Ça peut me tomber sur la gueule par là. On va pas jouer les cacous. Et puis là, il y a un creeper qui va me tomber sur la tronche. Ah oui, d'accord. D'accord. Oh putain. Il y a du ghast. Il peut pas y avoir quelque chose là-dedans, non. Non, non. T'as pas le droit? T'as pas le droit, monsieur le ghast. Attendez, je vais d'abord opérer une position de repli. Où t'es? J'ai installé Optifine, donc. Ah putain, puis il y a du vide. Tout ça, c'est pour que je perde le bel équipement qu'il nous a gentiment offert après tous ces épisodes de galère. Et puis j'ai bientôt plus de flèches. Oh, mais non, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi, pas sur moi. Où t'es, bordel? Là, je vois les dégâts. Où t'es, bordel? Ah, il est enfermé là-bas, d'accord. Il est enfermé là-bas. Oh, ça va être du bonheur. Ça va être du bonheur à l'état pur, ça.
avec les cris d'enfant. Faut que j'évite de me faire voir. Bon, j'aurais peut-être dû la prendre la baneuf arthropode, hein, finalement. Waouh! Non, 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 c'est interdit! C'est interdit, ça! C'est interdit! Oh putain! Alors, je sais ce que je vais faire. Déjà, je vais éteindre ça parce que ça va me pourrir. Toi, tu vas te prendre un coup. Je vais me faire une petite protection contre les... Les Wither Squelettes. Oh putain! Merde, mais non, mais non, mais non. Et puis il y a un trou là, c'est fait exprès pour que je tombe dedans, ça. Il fallait que je tousse, je préférais ne pas prendre de risque. Même si vous l'entendrez pas sur la vidéo, parce que je virerai le... ma toux, mais... bon. Viens mec, viens, viens mec. Oh putain! Oh putain, il a fait le tour! Oh, j'ai pas vu! Bon. Bonne chose de faite. Mais qu'est-ce que... Mais d'où vous venez, vous? D'où vous venez, vous? Bien en avoir un de zombie quelque part. Non? Ok. Bon. Allez, on y va à la sauvage. Mais je vais tomber, 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 je vais tomber. On va manger un petit peu. Oh putain, je vais galérer ça parce que j'ai pas pu poser une... J'ai pas pu poser les torches pour virer le spawner. Ah oui, bon, bah d'accord. Et il est tombé d'où, là, lui? Est-ce que c'est un spawner qui est là-haut ou c'est des ghasts? Mais il y a un géant. Eh mais c'est... Ok. D'accord, là il y a un... Attends, châtiment. Ah, impeccable, c'est... Il y a un truc qui les fait popper de là-haut. Alors ce que je voulais faire, c'était ça. Me récupérer des blocs. Bon, évidemment, c'est pas les plus solides, hein, mais... Tu m'embêtes, toi. Eh, viens, 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 viens.
D'où est-ce que vous tombez? Puis c'est dommage, ma pelle, elle est presque morte. Voilà, c'est déjà ça. Alors. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais je peux pas. Je peux pas l'ouvrir apparemment. Il y a quelque chose au-dessus. Bon, tant pis. Ah, il y a des underperles. Facile. Où elles sont? Où elles sont? Je crois que je les ai fait tomber. Elles sont tombées dans le vide, ces connes? Honnêtement, j'hésite sur la conduite à tenir là. Je suis pas très confiant. Puis j'ai perdu. Apparemment, il a filé des underperles, mais bah, je les ai perdus. Je sais pas où elles peuvent être. Parce qu'elles sont tombées de là, elles n'ont pas pu tomber ici. Ah oui, mais il peut me voir de là. Et j'ai la tête qui dépasse, c'est normal. Bon. Être épisode galère là. Ah, puis je vais virer le son parce que elle me pète les oreilles. Oh putain, c'est l'enfer. L'enfer auditif. Créature agressive, ok. Bon, ça pas vraiment bougé. Non, vous pouvez plus me voir là, vous pouvez plus me voir. Non, là vous me voyez plus. D'ailleurs, je ne suis pas là. Merde. Oui, c'est pas très glorieux, je le concède volontiers. Mais c'est ça ou tomber dans le vide. Alors de deux mots, il faut choisir le moindre. Hop. Mais ce que je veux pas, c'est tomber dans le vide. C'est pour ça que j'utilise cette méthode-là. Puis comme j'ai du matériau sous la main, assez gratuit, on va dire. Et constater que c'est quand même efficace, hein. Jusqu'au jour où je vais m'en prendre une dans la gueule. Je fais là. Et puis j'ai pas de quoi faire.
J'ai pas de bois pour me faire une pelle. Ah, fais chier! Ouais, voilà. Oh putain! D'où est-ce qu'elles viennent, ces saletés? Mais non, mais non, mais non. Bon, je vais rentrer à la maison. Et je vais revenir. Je vais revenir avec une pelle et puis je vais creuser au travers du mur. En espérant que ça soit la bonne tactique. Donc, je vous retrouve tout à l'heure. À plus. Bon, ben, me revoilà. Alors, j'ai fait l'aller-retour pour vous épargner. Ça vaut aucun intérêt. Ça, il commence. Ouais, il va falloir que je vire le son. Ok, voilà. Et ça, c'est quoi, ça? Ah, mais c'est quand même... C'est des araignées. Ok. Bon. Alors, attendez, je vais baisser le son des créatures hostiles parce que c'est chiant. Alors, on va jouer les terrassiers, hein. Enfin, pas les terrassiers, les tunneliers plutôt. Allez, hop. Bon, j'ai pris un stock de pelles. Merde. Il va me voir. Ils vont me voir. Voilà. Alors, il y a un spawner pas loin là, normalement. Il y a un spawner araignée dans le coin. Il y a un spawner araignée. Merde. Heureusement, cette fois, j'ai fait attention. Hop là. Je suis passé en mode. En mode facile parce que. Il est où ce putain de spawner? Elle m'aura encore baisé, ces connes. Putain, j'hésite quand même. J'ai pas beaucoup de flèches, mais. Bon, tant pis, on va laisser le spawner là. Ah, bah le voilà. Voilà. Ah, bah il y en a un deuxième. Ah, il y en a un troisième. Alors, on va. Mettre des torches là. Je crois que je n'ai. Ah, tu vas te calmer. Bon, ça va faire du bien quand elles sont plus là, celles-là. Tout se passe bien, oui. Voilà, hop, on avance tranquillement. Ah oui, non mais attends, là je les entends plus. Tu vas arrêter de me taper? Oh putain. Non 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 non. Mais arrête. Je ne suis pas candidat. Bon, on va manger. J'ai pas vu que j'étais si mal. Au niveau bouffe. Alors, hop.
petit peu de ménage, et comme ça j'aurai des blocs. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la tactique du tunnel ou... Bon, je crois que j'ai ma réponse. Oh, j'ai entendu. Non, 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 c'est une erreur. C'est une erreur. Il n'y a personne au numéro que vous avez demandé. Je t'ai vu, toi, je t'ai vu, puis toi aussi. Oh putain, il y a un congrès. Bon, comme d'habitude, hein, je prends des précautions excessives, peut-être, mais... Ah, puis mon épée est presque morte, putain. Il faut que j'évite d'avoir à me battre. Je vais péter à coups de pioche celui-là. Ah oui, non mais... Ah, puis j'ai laissé mon épée. D'où est-ce qu'ils viennent? Il y a un spawner où? Non, 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 c'est pas juste ça. C'est fini. Vous allez me péter mon épée! Et ben voilà, ouais, c'est malin. Ah, puis j'ai pas mon seau d'eau, mais bien sûr, t'as raison. T'as raison. Mais qu'est-ce qui vous prend là? C'est quoi cette nouveauté? Ok. J'ai fait exprès de le buter à la. Mais comment. Comme il sait où taper, tu peux pas me voir et tu peux pas me voir. Non mais c'est pas moi qui vise là. Oh putain, il y en a un autre là. Oh yeah, oui. Pardon. Il fallait que je tousse. Oh merde. Bon, est-ce qu'il y a moyen de passer ailleurs? Parce que là, ça va pas. Ah, pas du tout. Mais t'aurais que je puisse passer par là. Ok, donc là il y a un vilain monsieur. Ah, peut-être qu'il y a moyen de le niquer en passant par là. Bon, ils sont en train de s'amuser là. Et moi, j'ai fait une connerie de papa. Ah, d'accord, ils sont en train de se friter. Mais j'ai fait une connerie de pas prendre plus de pas prendre une arme qui va durer plus longtemps. Waouh. Oui, mais non. Oh putain, comment je vais passer là? Est-ce que j'ai le risque de tomber? C'est ça qui m'embête le plus. Pas tellement de mourir. Finalement, dans Minecraft, on est habitué à mourir, mais. On va continuer le boulot de taupe. Hein.
pas sûr que ça soit la solution, mais on verra. Oh putain. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de les tuer avec leur propre boule. Ah oui, quand même. Ah oui, putain, ça fait mal. Ah mais non, mais non. Oh putain, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Qu'est-ce qu'il fout là? Mais non, ce n'est pas, vous n'êtes pas invité à la fête. Bon, puis je vais arrêter de mourir, là. Ça m'arrangerait. Alors, bah voilà, on va prendre ça. Ah bah je peux même plus manger, il faut que j'attende que je régène. Alors... Non. Bon, on va être bloqué un petit peu là. Je vais essayer de renvoyer les... Décidément, ça veut pas garder ma torche. Est-ce que j'ai un autre bloc? Oui. Je préfère le garder. Ah bah tiens, j'ai perdu mes chaussures. Heureusement, je les ai changées. C'est dans l'autre sens que je le veux, le tunnel. Ah merde, je pensais pas qu'il me toucherait, là. Oh non. C'est pas juste, putain, non, mais c'est quoi cette zone de... Il y en a un qui s'est libéré. Non, bah... Oh, fais chier. Comment je vais pouvoir y aller, surtout que... Oh. S'il n'y avait pas ce vide, ça m'emmerderait beaucoup moins. Le problème, c'est qu'il y a le vide. Bon, bah, vous savez quoi? Je pense que je vais refaire un aller-retour à la base. Non, ça va trop haut, ça. Bon, à force, il y a des bestioles qui vont popper ici. Je sais pas si je peux les buter ou pas. Bah, y'a plus personne. Ah, si. Mais putain, je le touche pas, là. Et qu'est-ce qu'il sait? Je comprends pas pourquoi y'a une accalmie. Pourquoi ils sont... Brutalement, ils sont... Bon. Ah ouais, non mais... Qu'est-ce qui se passe?
Oh putain! Ok. Ouais, il faudrait que je la garde pour... Non, tu vas pas m'emmerder, toi. J'ai assez à se faire avec les... saletés. Allez, viens, viens. Bon, je vais insister, je vais voir si je peux buter le... Non. Oh, putain, j'arrive pas à avoir deux secondes de paix. Bon, on va manger. Voilà. Et donc je vais vous laisser là pour le moment. Je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que je vais essayer d'assister? De toute façon, mon épée est quasiment morte, donc ce serait pas prudent de faire ça. Donc je pense que je vais refaire un aller-retour. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Je galère pas mal, hein. Voilà. Merci. Au revoir.